arbre très intelligent. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, hey, Wanji! Chut, Sixi! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Une branche. Zinzi, désolé. Oh, bah, t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles ne t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais, puisque c'est moi qui les ai enterrées. C'est ma réserve personnelle, vous m'arrête. Remets-les tout de suite où tu les as trouvées avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah, y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh, tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Lumpa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai. Ça suffit. Touchez pas à ça, c'est à moi. Allez, oust, fichez le camp. N'approchez pas de mes provisions, voleur! Non, mais... Poum, sois raisonnable. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du... Oh, goûter!
non, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuse ces pommes de pin. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera deux. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Fichez-moi la paix, laissez mes pommes de pain tranquilles. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Oh, les gars! Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner! On n'a pas le choix! Plus vite! Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau! Trop tard! Ouais, on a réussi, c'est nous les meilleurs. Bravo. Oh ben ça c'est la meilleure, alors avoue-le, je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions. Mais c'est parce que tu me les as volées, traître, espèce de gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous-en, bande de rapaces! Veux-tu laisser ça, toi? Ils ont tout mangé. Oui, bah c'est ta faute, gros poivre, va. C'est à cause de toi aussi, si t'avais pas essayé. Tiens, t'as ton cas. Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, hmm? Ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée, mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Ben oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui. Pour transporter ses graines aux quatre vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple.
En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.